Salut les potes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve dans ma cave. Comme vous pouvez voir en premier, on a des fils à rajouter. Donc je voulais vraiment vous faire cette vidéo. Parce que ce truc en fait c'est vraiment étrange. Alors c'est dans le local à poubelle. Putain, j'ose même pas regarder tellement que c'est flippant. Alors on va rallumer. Voilà. Alors comme vous pouvez voir, je sais pas ce que c'est. Enfin non, je rigole, hein. Je sais ce que c'est, hein, bien sûr. C'est juste que j'ai pas envie d'en fait de regarder là. Donc voilà. Comme vous pouvez voir, on a des bouches d'incendie. Donc en fait, qui ressortent ici en fait pour les poubelles en cas où qu'ils prennent feu. Comme vous pouvez voir, donc je vais vous montrer. Ce système permet de, en fait, de capter si jamais il y a de la fumée ou s'il y a un départ d'incendie ou des flammes. Donc on a là-bas. Bon allez les gars, faut prendre son courage de demain parce que j'ai tellement peur de regarder que voilà. Bon, et ben voilà. Donc on a tout simplement ce gros ballon. Donc bien gros flippant. Et ben c'est une bouche d'incendie. Installée tout simplement pour... Voilà, donc on peut voir, il y a un cadenas. J'ai pas du tout envie de rentrer. Mais on va devoir rentrer pour vous faire montrer correctement comment ça a été disposé. Alors. Premier temps, vous avez des bouches d'incendie ici. Donc en fait, c'est plutôt une bouche d'incendie qu'ils ont installée ici. Donc voilà. C'est plutôt flippant. Alors là, les batteries ne sont pas mises en route, comme vous pouvez le voir. Alors je vais faire montrer parce que c'est très flippant. Alors voilà, les câbles ils passent par ici. Et regardez, on a une bouche d'incendie ici. On a un petit signal. Ensuite, on a, je sais pas aussi, quoi qu'il y en a une autre là. Non. Après, il y en a une autre là-bas. Et après, ça passe ici. Alors, je ne sais pas du tout si ça va, s'il y a ça aussi de l'autre côté. Donc, c'est peut-être aussi ce qu'on va avoir. Donc, hein, comme vous pouvez le voir, on a, alors attendez, c'est très flippant. Excusez-moi, j'ai flippé. Là, comme vous pouvez voir, on a une petite, truc d'eau qui peut ressortir. Donc, voilà, après, voilà. Alors, je vous propose d'aller voir de l'autre côté, parce que comme vous pouvez voir, ici, il y en a une. Mais de l'autre côté, en fait, je ne sais pas s'il y en a une. Donc, en fait, on va voir à deux. Enfin, on va voir l'autre aussi. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas, dans la cave. Ce qui est plutôt étrange. Donc, on va aller voir de l'autre côté. Donc, est-ce qu'ils en ont posé une autre de l'autre côté? Parce que ça peut être fatal et ça peut donner un coup de main si jamais on en a une autre. Donc, voilà. Alors, comme vous pouvez voir, je suis vraiment dans la cave. Hein. Alors, on va voir. Alors déjà, on va voir par rapport au système. Alors là, il n'y a aucun système de plus rajouté. Parce qu'en fait, ça a été rajouté là-dessus. Alors je sais pas, je pense pas qu'ils en aient remis un autre. Ah, attendez, je crois que si. Attendez, on va voir à deux. Enfin, on va voir tous ensemble. Ah si, regardez. Regardez. Ouais, ils en ont rajouté un ici aussi. Regardez, je vais vous faire montrer. Comment on le sait? Regardez, ici. Ok, vous savez ce que c'est ça? C'est le ballon. Je crois qu'ils en ont mis un autre. On va aller voir. Oui, ils en ont rajouté un ici aussi. Ok, alors là... D'accord, alors là ils ont pas terminé. Regardez. Voilà. C'est ça. Et voilà. On a un gros truc comme ça en fait de pareil. Et là en fait rien n'est installé là encore. Donc voilà. Putain, c'est dingue quand même, ils ont installé un. Ah parce qu'en plus, regardez, ils ont installé un petit extincteur en plus. Mais c'est ouf. Vous avez vu la grille là qui est là? C'est exactement la même qu'on a dans la nôtre. Et.. Le petit système que je vous parlais, c'est ça. Attendez, est-ce que je peux faire une mise au point? Voilà. Ce système, en fait, parce que ça, là, attendez. Ça, là. Ça, quand ça se déclenche. Ça, ça file. Et ça, là. Ça, en fait, ça reste rouge. Pour l'instant, c'est blanc parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucune fumée. Alors là, c'est pareil, ça fait peur. Voilà. Là, c'est pareil. Ça restera tout rouge et puis après, ça sortira. Alors, on va reculer. Donc voilà, ils ont installé ce putain de ballon d'eau chaude. Ballon d'eau chaude, excusez-moi.
ce ballon d'incendie. Donc en fait, je reste appuyé là-dessus, ce qui me permet de pouvoir garder la lumière. Donc voilà. Après, ils ont vraiment voulu installer ça, je sais pas pourquoi. Malheureusement, ils en ont installé que deux. Donc trois, ça aurait été plus utile. Donc un ici, un de l'autre côté et un dans toutes les caves en fait. Donc je vais faire montrer où ils auraient dû en mettre. Ils auraient dû en mettre un ici aussi. Ça aurait pu être beaucoup plus utile en fait. Parce que s'ils auraient pensé à mettre des pressoirs en fait, ici en fait, qui seraient continués en fait, jusqu'à là-bas, ça aurait évité en fait à ce que l'incendie en fait soit plus grand en cas où que les déclencheurs ne s'activent pas correctement. Donc là en fait, voilà. Hein. Ici ça a été fermé, donc à mon avis ils ont dû en mettre un aussi. Donc je sais pas en fait comment l'ouvrir. Alors, j'ai bien vite fait. Il faut ce gros truc. C'est vraiment bizarre, hein. Je sais même pas s'ils ont installé là. Un, ici. Crois pas. Non. Ils en ont pas installé ici. Vous voyez, dans toute la pièce. C'est dommage, parce que ici ça prend feu et rien peut être sauvé ici. Vous voyez, étrange. Alors que dans les lacs à la poubelle, on en a et que là on n'en a pas. On devrait en avoir. On va laisser s'éteindre. Voilà, donc c'est vraiment étrange. Ah bah ici, bah voilà, ils ont tout pété. Pour rentrer comme ça, c'est génial par contre. Ils ont enlevé le lobby. C'est nickel. Okay, parce qu'on peut plus rentrer derrière. Alors, ouais. C'est génial. Je sais même pas comment ils font pour débloquer. Donc voilà, c'était vraiment la chose que je voulais vous montrer. Hein, donc c'est assez surprenant quand même le ballon qu'il y a en fait. C'est vraiment en fait une sorte de. En fait, c'est plutôt une bouche d'incendie qui peut être très 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 utile aussi. Mais ça aurait été plus utile si jamais ils en auraient mis là, là. Vous voyez, là où on marche par exemple. Là, ça aurait été génial. Même si ça touchait les fils, regardez. Ici, on aurait dit que ça aurait déjà voulu prendre. Là, c'est pareil, ça veut déjà prendre. Vous voyez? Et pourtant, il n'y en a pas ici. C'est ici que Swing qui devra en mettre. Et aussi dans les locaux à la poubelle. Donc voilà. C'était vraiment la chose en fait que je voulais vous montrer. Parce que c'est assez surprenant. Alors je crois qu'en plus. Ouais voilà. De côté c'est cet en plus. Alors. Voilà. Hein. Et nous en fait, regardez. Quand vous regardez, il y en a un autre qui a été rajouté. Il y en a un autre qui a. Il y en a un autre qui a été rajouté si vous regardez bien. Puis regardez. Là, ça, vous voyez le truc rouge là? C'est ça en fait. Et ça passe ici pour aller derrière. Alors, je vais vous faire montrer. Parce que j'ai vu ça avec mon père. Et regardez. Le système en fait, il passe ici. Et en fait, comme vous voyez ici là, c'est le système de déclenchement. Et après, bah, voilà. C'est tout ça. Et 15h12? Non. Ouais, j'ai oublié qu'il me donnait l'air aussi. Bon, bah, apparemment, il est 15h12. Je filme à 15h12 et puis bah voilà. Alors après, je ne sais, je ne pense pas que je puisse avoir le droit de filmer ça. Mais écoutez, c'est assez surprenant. C'est assez glauque. Et c'est très important, surtout que je devais vous faire montrer ça. Donc, parce que ça peut être très utile si jamais il y en a qui regardent cette vidéo et qui demandent à faire déposer ces ballons. Franchement, ça serait vraiment utile. Donc, vous voyez, hein, je vais vous faire montrer. Une fois que c'est terminé, que tout ici est installé avec ça, les grilles, vous voyez, c'est exactement le même. Hein. C'est juste que, regardez, il y a un petit extincteur juste à côté. Comme. Regardez, si je fais ça, vous avez vu? On a un petit extincteur qui va déclencher le gros. Et du gros, en fait, ça va, en fait, ici ressortir. Et comme je vous disais, à l'intérieur de ce petit truc, donc de ce petit. Texture Hunter est le plus gros.
C'est un genre de d'azote en fait qui va. Donc il y a une pastille en fait si jamais ça crasse. En fait, bah, quand vous retirez, que vous appuyez en fait sur une gâchette, bah, on sait très bien que ça perce en fait là où il y a le diazote. Et en fait, bah, l'eau rencontre du diazote, on sait très bien ce que ça fait, ça crée de la glace. Et ça fait une réaction chimique qui permet de faire glacer en fait le feu pour éviter en fait à ce qu'il redémarre. Et ça, je trouve que c'est vraiment pas mal parce qu'il devrait faire ça en fait partout. Après, quand vous voulez. Attendez. Comme vous avez pu le voir, ils ont pas voulu, ils ont voulu en fait aller plus loin, sauf qu'ils se sont dit en fait que ça servait à rien, alors que ça aurait pu servir. Même à l'extérieur, ça aurait pu servir quand même. Mais non. Donc en fait, même avec cette bonbonne, en fait, on a largement le. En fait, avec les deux, quand vous pensez, on avait largement la place pour en mettre au moins 3, voire 4, qui auraient pu servir en fait pour toute la cave et l'immeuble. Là, ça aurait vraiment en fait été. Utile. Sur ce, les amis, on va se laisser sur ce petit ballon et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!